L'image pourrait faire office de carte postale. Mais sur la plage des Salines, une large bande de sargasses a tendance à noircir le tableau une bonne partie de l'année. Pour ces touristes sportifs, la Guadeloupe fait rêver, l'algue brune un peu moins. Ça commence à être moche. J'ai entendu qu'il allait en avoir encore un peu plus. Donc j'espère que ça va pas me gâcher mes vacances. Ça. Ouais, ça sent un peu plus la vieille moule, on va dire. Mais pour l'instant, ça va. Une odeur qui interpelle et qui oblige régulièrement certaines écoles proches des zones d'échouage de sargasses à fermer temporairement. Pour ce pédiatre de Pointe-à-Pitre, la prévention et la connaissance du risque sont importants sur ce sujet. Il ne faut pas confondre les odeurs qu'on perçoit avec les niveaux de gaz qui, ceux-là, sont les seuls présentant une toxicité. J'ai parlé des gaz toxiques, c'est-à-dire essentiellement l'ammoniac et puis les dérivés de l'acide sulfurique. Ce sont ces produits-là qui sont toxiques. Cette toxicité, quelle est-elle ? Quels sont les signes qu'on va retrouver chez en particulier les personnes fragiles ? C'est une irritation des muqueuses, des yeux, du nez, de la gorge. Si pour beaucoup les sargasses sont un problème, certaines entreprises ont commencé à exploiter l'algue en la transformant en plastique. De quoi passer rapidement du fléau à l'opportunité économique.